Pas d'alcool, enfin, moi je bois pas d'alcool le midi, sauf exception, en tout cas jamais dans le cadre du travail, sauf si je sais que je vais pas travailler l'après-midi. Et pourquoi ? Parce que ça fatigue. Et donc, si je veux pouvoir travailler correctement, je bois pas d'alcool. Basker, baguette, en pavoreux à vin, det är ju klichébilden av en fransman. Men sen mitten av 1980-talet så har andelen fransmän som dricker minst ett glas vin om dagen sjunkit från 50% till 8%. Nu för tiden dricker de flesta fransmän vatten till lunchen. Alors écoutez, oui, il est vrai qu'il y a quand même un changement de consommation. Les gens consommeraient un peu de plus belle qualité, un peu moins en quantité. Et pourquoi vous pensez ? Ben parce que je crois que on sait que boire de l'alcool nous emmène autre part. Je veux dire, par là, c'est qu'il y a moins de concentration peut-être pour l'après-midi de travail et que ça a amené une consommation différente, quoi. Bah, déjà, les vins sont maintenant beaucoup plus forts en degré d'alcool qu'autrefois. Donc, c'est plus difficile à supporter. Et oui, il y a sûrement un phénomène de génération. Vous qui êtes plus jeune, vous buvez facilement du vin ou pas ? Pas à midi, non. Mais pas à midi. Jamais, ouais. Jamais à midi de l'alcool. Jamais. Le week-end, éventuellement, un verre de vin, mais en semaine au travail, jamais. Un peu moins des gens qui boivent du vin et surtout avec le déjeuner. Je sais pas. Oui, c'est peut-être le prix aussi. L'économie hein, fait qu'on consomme moins et le vin c'est un extra. C'est aussi une question de santé peut-être ou... Je crois pas parce que le vin c'est un bon antioxydant. Hein. C'est un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. C'est l'excès qui est mauvais.